Et yo tout le monde, c'est Dr. Drago, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo The Binding of Isaac Afterbirth. Aujourd'hui on se retrouve pour le challenge 17, Waka Waka. Donc dans ce challenge, on a l'anti-gravité. Donc tant que je lâche pas le bouton, les larmes elles partent pas. Et on a le Stranger Factor qui attire les ennemis comme nous. On va taper cette salle. Ok, on a peut-être pas dû. Et bon, rien. Ok. C'est... ouais. Wow, c'est pas mal pour vous. Ah, j'ai tiré de raison, merci. Oh, un cadavre. C'est quoi cette salle? C'est strictement rien. Donc sur ce challenge, pas de trésor room. Ça m'aura pris du temps. Ouais. Vous allez me voir. Voilà. Voilà. Ah, j'en ai parti pour le boss. Oh. What? Eh oh! Je vais vous donner une petite question sur la fin. Hop, ok. Ok, ok. Ok, ok. Je vais juste tourner le feu. Ça peut la mettre pas. C'est bien qu'il gagne un peu. Voilà. C'est quoi ça? Mom's Pearl. Range plus le cup. Oh, c'est pas mal. 4 pièces. On va essayer d'aller dans les shops si on peut. Je sais pas si j'aurai assez d'argent. Parce que je ne vais pas si j'ai pas 15 pièces. Sauf si j'ai besoin d'en faire. J'étais parti pour aller en haut, donc je vais abandonner. Hop. Vous savez que c'est sur le pic. Hop. Donc il n'y a pas de pièce, pas de et il y a deux cœurs bleus. Bon, hop, on y va. Il faut pas se faire tuer par les armées. Il se fait traîner. Et voilà, on est en fait. Change à l'église. Change à l'église. Ah, on va parti. Voilà, c'est la partie de vidéo ultra simple. Ok. Go, c'est bon. Speed plus damage up. Magnifique. Ouais. On va prendre celui-là. Ouais, je vais aller m'acheter une bombe. Si bien il y a des bombes. Oh non. Parce que j'avais prévu de m'acheter ça.
Mais bon, je vais pas toucher, ça touche, on ouvre le coffre. Et bon, je rentre. Du coup, bah, on passe à l'étage suivant. Alors j'ai pris Little Brimstone parce que ça va rajouter une source de dégâts en plus. Et en plus, c'est des dégâts plutôt pas mal pour casser les ennemis au stade. Ah ouais. Voilà, pourquoi j'aime pas. Zéro dégâts. Clé de caisse et une bombe. C'est la partie drôle de la vidéo. Non, non, c'est la partie drôle. Ça me permet d'avoir la clé qui est là et que j'ai pas pu récupérer. Agis, on va la garder pour un boss. Parce que... on va chercher le shop, parce que j'ai presque assez d'argent. C'est vraiment ça, oublié que j'ai nickel. Donc là, je commencerai le combat. Oh, Little Steven, dommage. Magnifique. Et hop. Maintenant, il y a une clé, une bombe. C'est bien. Il y a quel KO, je sais pas. Rien à ce que c'est. Je crois que ça me permet de voler, ça. Hive Mind. Giant Spider. Non, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça fait. Non, ça c'est un cœur rouge. Oh, non, c'est quand même pas mourir. Là, c'est une là, on peut voir. Non, j'ai plus d'argent. Je voulais aller au shop, mais j'ai plus d'argent. Alors, je retiens les effets des items, mais j'ai jamais retenu leur nom. Si, il y en a certains que je peux. Ah non, ça c'est nul. Oui, je sais d'avoir des pièces. Parce que là, le cœur, ça va être vraiment pressant. Full health. Après lui, c'est le non. Comment ça s'appelle?
faut vraiment que je trouve le chat pour que j'arrive à voir ça. Ça devient hardcore. Une raison, c'est parce que plus je fais de damage, plus je vais finir la run vite, parce que avec ces items là sur le boom, pas facile facile. Oh, doucement, doucement, doucement. Ces ennemis ils suivent déjà assez vite, mais alors ça devient n'importe quoi avec cette item. Moi je lui fais peur. Le jeu qui ne veut pas me donner d'argent. J'allais faire quelque chose, mais on va dire que c'est pas possible. Je cherchais le... Bon, tant pis. Je pensais qu'il y aurait un secret room. Du coup, on descend. On est au boss. J'espère pouvoir avoir des cœurs. Parce que là, juste avec ça, comme cœur, j'ai déjà une idée. Donc vu que l'enregistrement s'est coupé, vous n'avez pas pu voir, mais j'ai perdu un demi-cœur.
En gros, oui. Voilà, donc encore une fois, j'ai perdu mon cœur pour une salle qui me sert à rien. C'est piqué, c'est quoi? Ah, vous voulez jouer à qui la plus? Ça c'est dégueulasse. Hop. Hop. Non mais hop. Merci. Ce jeu m'a trollé 3 fois quand même. Oh oui. C'est encore un coup à perdre de la vie. Ouh. Ça. D'accord, donc tout ça qui est en haut. Hein. Ici, voilà. Et j'ai perdu d'avis. Là j'ai mis la carte en grand sur le coin. D'accord. Ok, donc il y a une trésor d'une ici. Hop. Ouais, trop bien. Hop, on va péter les 3, les 2, ok. D'accord. Hop, on ressort par là. On fait cette jolie salle. Oh, ça va. Hop, on va juste essayer d'avoir. Voilà. On va dans le shop. Pourquoi il n'y a pas de cœur? C'est Yera. Hop, donc on récupère la clé. Justice. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fait. J'aimais pas les sentiers. Alors pour moi, ça va être. Je sais pas ce que vous dites, mais ce challenge permet de débloquer des stats. Oh, ma gueule, un ennemi ici. Alors là, si je meurs. Non, elle va faire le con. C'est quoi le best-of? Non. On va pas faire le con. Voilà. Donc ce défi est fini. Je débloque Death Touch, qui est un damage up et un penetrative shot. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici peu. Jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.